Toujours en direct d'Issoudun, je suis avec un animal que j'ai pas beaucoup l'habitude de fréquenter, c'est-à-dire les guitaristes classiques. Je suis avec Thibaut Covin qui m'a mis une claque monumentale hier avant à Limeola. Donc Thibaut, comment est-ce que ça va bien à Issoudun déjà? Ça va très bien à Issoudun, je suis ravi d'être ici, tout le monde est adorable, le festival est très beau, donc c'est un bonheur. Bon. Comment ça s'est passé justement cette première partie devant Limeola? Est-ce que c'est intimidant ou non? C'est business as usual pour toi? Non, non, c'était très agréable. J'étais ravi de partager la scène avec ce genre de personnes. Ouais. Et non, j'étais très heureux. Après, moi, je suis en tournée constante. Donc, chaque concert est un moment unique et un moment de plaisir. Donc, là encore, c'était le cas hier soir. Et voilà. Ouais. Alors, parlons un peu de ton parcours. Quelle était ta première guitare? Oh, ça date. C'est que mon père est lui-même guitariste, donc je suis né dans cet univers de musique très très fort. Il y avait toujours des guitares autour de moi depuis toujours, donc j'ai même pas le souvenir de cette première guitare, tellement il y en avait et tellement ça fait partie de ma vie depuis que j'ai plus lointain souvenir. D'accord. Genre t'étais forcé ou ça a été une attirance naturelle ou tu te rappelles même pas tellement t'es né dedans quoi? C'est un peu comme l'Obélix de la guitare classique, c'est ça? En moins gros.